Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2022. Et le signe à l'honneur, aujourd'hui les Capricornes. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances. Hein. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc, ascendance Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Je vous mets là et on y va. Let's go avec l'horoscope magnétique. Les bâtisseurs d'Isabelle Cerf. Oh, bah, je suis à l'envers. J'ai des cartes à l'envers. N'hésitez pas à visiter mon site internet. Oh, bah, ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, ça y est, je regarde quand même. Allez, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, hein, pour des accompagnements à l'éveil, pour des libérations karmiques, des libérations liées à l'argent, liées aux ruptures sentimentales. Je serai ravie de vous accompagner. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Magnifique, magnifique. C'est une belle rentrée ça, les Capricornes. Bon, on vous dit que vous allez rentrer dans une belle énergie d'équilibre. Vous allez être aligné avec vous-même parce que ça fait un moment que vous travaillez. Que vous travaillez déjà sur vos projets, mais aussi que vous travaillez aussi sur le fait de vous écouter un peu plus, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, les Capricornes, et aussi de très exigeant avec vous-même. Il y a une discipline comme ça que vous vous imposez au quotidien pour arriver à vos rêves, pour atteindre vos buts. Hein, et cette persévérance, elle va porter ses fruits. Ça y est, vous allez vivre quelque chose ce mois-ci qui va... eh bien, qui va égayer votre vie, qui va égayer votre cœur, et vous allez être tellement heureux et heureuse de vous être écouté comme ça. Hein. Donc, retour à l'harmonie et à l'équilibre ce mois-ci, et retour à l'énergie, à une énergie de stabilité, d'accord ? Peut-être que vous aviez vécu des moments imprévus, des moments instables, et ça vous avait et ça vous avait fait peur, ça vous avait fait craindre le pire. Mais là, tout ce que vous désirez va arriver rapidement. Non seulement rapidement, mais de manière stable et durable. Voilà ce qu'on vous dit. Waouh ! Waouh, les Capricornes ! J'ai hâte de savoir la suite, c'est comme une série B. Allez, on y va avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Avec, et quel est le chakra à travailler, hein, quelle est la question à travailler ce mois-ci. Qu'est-ce que bien s'entendre? Qu'est-ce que bien s'entendre pour vous, les Capricornes? On travaille sur le chakra sacré, d'accord, couleur orange. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à leur relation aux autres, c'est tout ce qui est lié au travail, c'est tout ce qui est lié à vos désirs, à votre sexualité, à vos plaisirs, à l'affirmation de vous-même comme ça, d'accord ? Dans ce que vous, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, d'accord ? Donc qu'est-ce que bien s'entendre pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire bien s'entendre avec les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que bien s'entendre avec vous-même ? On a chacun nos points de vue, on a chacun notre vision de la vie et c'est comme ça aussi qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on change. C'est avec les échanges avec les autres, c'est par nos rapports avec les autres qu'on évolue, qu'on change. Les autres ont différentes cultures, différentes religions, différents points de vue, d'accord? Donc on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord avec les autres, ni d'imposer son pouvoir sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de les forcer à se rallier à nos idées, à nos actions. Et idem pour vous, hein, on ne doit pas vous forcer à abandonner votre pouvoir à l'autre. Chacun a ses besoins, ses envies et ses volontés. Donc c'est à nous
d'inspirer les autres, mais de ne pas imposer notre point de vue, de ne pas imposer à l'autre notre regard, d'accord ? Il faut être dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'échange et dans le compromis. Si vous êtes en couple, il faut apprendre à être dans le compromis, d'accord ? Si vous voulez que votre relation avance, fonctionne, il faut être dans le compromis. Accepter l'autre tel qu'il est, l'inspirer, le conseiller sans lui imposer. D'accord ? Comme ça, chacun conserve ce qu'il est. S'entendre, bien s'entendre, c'est accueillir, c'est savoir s'accueillir l'un et l'autre sans dépasser certaines limites. D'accord ? Pour d'autres, il est question de rester dans l'instant présent aussi. Hein. Peut-être que vous avez vécu des douleurs sentimentales, des ruptures familiales, des ruptures professionnelles qui ont laissé leurs traces. Et du coup, par méfiance, vous avez besoin de contrôler pour être sûr que ça va fonctionner, pour être sûr qu'on ne va pas vous blesser, vous faire mal. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier, mais ce que vous pouvez changer, c'est votre manière de voir les choses, de les entendre, de les interpréter, d'accord ? Le plus important, c'est le présent, c'est ce présent et le futur, d'accord ? Donc, mettez votre énergie dans le présent et le futur et cessez de nourrir des énergies de rancœur, de remords, de regrets, de défaites, de pertes, d'accord ? Cessez de culpabiliser. Là, il est temps de voir les choses autrement. On y va pour... il est où ? C'est dingue, ça. Ah, il est là. L'oracle, la voix de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. On va aller voir le mot du mois à travailler. Quel est le mot du mois pour vous ce mois-ci ? Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Hein. La colère. Ouais. Vous avez une colère en vous. D'où elle vient cette colère ? D'où elle vient cette colère ? Alors, la colère, elle peut servir de catalyseur. Hein. D'accord ? Elle peut servir comme ça à vous aider à passer à autre chose. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous frustre ce mois-ci. Où il y a quelque chose dans votre vie qui vous frustre, qui vous met en colère. Hein. Peut-être que c'est une relation familiale qui vous met en colère, un père de famille, une mère de famille qui vous met en colère parce que elle n'arrive pas à sortir de ses douleurs, de ses souffrances, d'une relation qui l'a fait souffrir. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Quelles sont les racines de cette couleur, quelles sont les racines de cette couleur, de cette couleuvre? Intéressant. Quelles sont les racines de cette couleuvre? C'était ça mon jeu de mots. Et oui, une couleuvre, c'est un serpent, c'est quelque chose comme ça qui, vous savez, qui traîne comme ça, qui est latent, hein, qui est en nous, qui attaque comme ça. Parfois, hein. Peut-être que vous avez cette colère impulsive qui sort comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, on vous dit que l'énergie, c'est une colère puissante, d'accord ? Et qui, si elle n'est pas écoutée, si elle n'est pas accueillie, peut tout dévaster sur son passage. Elle peut, si elle est refoulée, elle peut tout brûler autour d'elle. Donc, il est temps d'exprimer une colère, mais de manière sage. Il est temps... De discuter comme ça. Puis la colère, ça peut vous faire mal au ventre, ça peut vous faire mal à la tête, ça peut provoquer comme ça des problèmes de digestion et certaines maladies. Donc, acceptez cette colère, regardez-la, accueillez-la, demandez-lui ce qu'elle a à vous dire, parce qu'il y a quelque chose qui vous frustre. Qu'est-ce qui vous frustre ? Qu'est-ce qui vous met en réaction comme ça ? Qu'est-ce qui vous agace ? Parce que si vous ne vous en servez pas comme catalyseur, eh bien, elle peut vous revenir, vous être envoyé à la figure comme ça, d'accord ? Donc, il y a une colère que vous cachez ou pas et qui est sûrement justifiée, hein. Le tout, c'est de cesser de l'étouffer et de l'exprimer. Grâce à cette colère, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez faire évoluer certaines choses.
Donc, voyez ce qu'elle peut vous apporter en positif, cette colère. Peut-être que vous avez peur, peut-être qu'il y a une situation, une relation qui vous met en colère parce que vous avez peur de perdre une personne. Vous avez peur du changement. Bon. En tout cas, il ne faut pas l'ignorer et il faut faire en sorte d'avancer avec cette émotion. D'accord? On est des êtres humains, on a le droit d'être en colère, hein. On n'est pas des prophètes. On a le droit d'être en colère, mais il faut avoir une colère saine. Voyez, comme Jésus. Jésus, dans le temple, il a eu cette colère saine. Il s'est mis en colère, mais dans sa bienveillance, dans sa compassion. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Une à la fois, s'il vous plaît. On y va pour la coupe. 5 de pentacle et la mort. Bon ben voilà. Bon, vous êtes peut-être épuisé, fatigué par une situation qui vous demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais là, on vous dit que ce mois-ci, ça va changer. Les choses changent, les choses bougent pour vous. Il y a un grand changement même, hein. Il y a une renaissance par rapport à ça. Pour d'autres, il y a clairement la fin de manque d'argent, de manque financier. Il y a la fin de. Il y a la fin d'un manque d'amour aussi, hein, ce mois-ci, parce que vous allez passer par de grands changements. Terminer les difficultés matérielles, terminer les difficultés financières, terminer les petits boulots. Ça y est, on a un nouveau projet, on va grandir et mûrir avec ce projet et on va renaître différemment. C'est beau, hein? C'est beau, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va vous rendre plus sûr de vous, plus légitime. Vous allez avoir un statut, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, en plus de gagner votre vie. On y va avec votre état d'esprit. L'étoile, bah oui, oh là là, vous allez vers vos rêves, oh là là, c'est beau. Oh, il y a une association là, il y a un choix du cœur, les amis, qui vous emmène vers vos rêves, qui vous emmène vers une belle guérison aussi. C'est peut-être tout ce que vous avez toujours attendu pour vous accomplir, pour vous réaliser. La lune, c'est le bonheur d'être à sa place, hein. On est naturel, on est à notre juste place et. Et voilà, et on vit son rêve éveillé, quoi. Et puis pour d'autres, il y a une guérison, il y a une belle guérison de cœur, grâce à une alliance, grâce à une union, grâce à un partenariat, il y a une collaboration il y a une vraie rencontre, hein, où le respect est mutuel, où vous êtes sur le même plan, vous comprenez, vous comprenez, et ça se passe bien. Et puis ça peut être les deux dans le domaine à la fois professionnel et sentimental. Vous pouvez avoir rencontré la bonne personne pour collaborer et la bonne personne pour réaliser vos vœux, vos rêves, hein. Vous nagez dans l'harmonie là. Vous nagez dans le bonheur, hein, pour certaines d'entre vous. C'est destiné, c'est écrit. On y va pour les obstacles, les difficultés. La lune. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui est brouillon. Il y a un truc brouillon. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de brouillon que vous avez du mal à saisir. Alors c'est peut-être le fait de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, hein. C'est nouveau pour vous, c'est pas facile. Et vous apprenez à gérer, hein, cette manière de fonctionner. En tout cas, il est temps de cesser de cacher votre peur. Il y a quelque chose que vous cachez comme ça, au niveau de vos angoisses, vos peurs. Il est temps de confier vos soucis, il est temps eh bien de vous mettre à nu, d'être authentique en fait, d'accord? On n'est pas obligé tout le temps de faire bonne figure, d'être tout le temps fort. On est des humains, on est des humains.
Donc accepter d'avoir peur, regarder cette peur et puis travailler dessus, travailler sur cette peur. Et puis pour d'autres, eh bien ce nouveau contrat, cette nouvelle collaboration, ce nouvel amoureux, ce nouveau partenaire, ce nouveau conjoint, eh bien vous fait peur. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que ça fonctionne pas, vous avez peur que ça ne marche pas. Non, 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 sortez de là, sortez de là, sortez de là. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Allez, on y va pour vos ressources, vos forces. Ce qui va vous aider ce mois-ci, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Le roi de coupe, bah, c'est un homme autour de vous. Bah oui. Bah alors déjà, c'est de maîtriser vos émotions, pour certaines d'entre vous, forcément. Quand on parle de maîtrise des émotions, c'est juste d'être qui vous êtes pleinement. C'est juste d'accepter d'être empathique, d'être sensible, de vous laisser toucher par les sentiments de l'autre, tout en vous protégeant et en étant maître de vous-même, comme ça. Pour d'autres, c'est de vous faire accompagner par un thérapeute qui peut vous aider, hein, à avancer avec toute cette hypersensibilité, cette intuition, vos dons, vos talents. Et pour d'autres encore, vous êtes accompagné d'un homme qui vous aime et qui vous montre le chemin de la bienveillance, de la compassion, qui veut être avec vous, qui vous aime, hein, vraiment. Et qui peut vous aider à rééquilibrer les choses, à redevenir authentique, honnête, à vous montrer tel que vous êtes. Qui peut vous aider aussi à peser le pour et le contre d'une relation, d'une situation, qui peut vous aider à prendre vos responsabilités en fait, à être juste envers vous-même, à vous reconnaître tel que vous êtes. Bah, c'est beau, hein? Oh là là, c'est beau. Allez, on y va pour l'issue, le résultat de ce jour. L'issue, le résultat de ce jour, de ce mois, pardon. Roi de Pentacle. Cavalier de coupe, 7 de pentacle et reine de coupe, vous voyez? Vous allez y arriver, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est fabuleux. Non seulement vous allez gagner en confort financier et en stabilité financière, mais en plus, vous allez retrouver cette harmonie au niveau de vos émotions. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent là. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a même peut-être encore d'autres projets qui vont vous apporter. Une abondance financière et peut-être même une autre collaboration encore hein, qui va être fructifiante ou peut-être que vous allez demander un prêt bancaire comme ça pour financer l'achat d'une maison ou la location d'une maison. Mais en tout cas, vous allez vers vos projets. Il y a de bonnes nouvelles de cœur qui arrivent comme ça. Par contre, on vous demande d'être patient, d'être patiente. Bah oui, ça va pas, tout ne va pas se faire d'un coup. Donc attention à votre impatience, n'allez pas plus vite que la musique, tout arrive à point. Vous allez récolter le moment venu. Laissez les choses suivre leur cours, n'insistez pas, avancez sur vos projets sans forcer les choses. Très très bien. Et puis vous allez offrir votre coupe à ceux qui méritent. Vous allez offrir vos sentiments et vos émotions à ceux qui méritent. De recevoir ces émotions. Terminez les trahisons, terminez les faux-semblants, et vous avez envie de vous montrer sous un autre jour. Généreux, gentil, empathique. Généreux, empathique, doux. Maître de lui-même, dans sa compassion et sa bienveillance. On adore. On y va avec le Béline. On y va avec le Béline et le professionnel, le sentimental. Le professionnel. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, bon bah belle harmonie ce mois-ci les Capricornes, hein? C'est une destinée là. Vous allez vers votre destinée, hein? C'est beau, hein? C'est très très beau. Ouais, on parle de destinée vraiment, de beaucoup d'échanges par rapport à un projet qui vous est destiné. Bon, vous voyez, il va y avoir des ralentissements. Attention à faire preuve de maturité. D'accord? Souvent, quand on est jeune, on est impatient. Donc là, on vous dit, il va y avoir quelques contretemps, quelques retards dans un projet ou dans le domaine professionnel. D'accord?
On parle d'illusion, de Kedven. Dans un projet, hein, si vous êtes sur plusieurs projets à la fois, il y a un projet qui est stérile. Hein. Vous voyez bien que c'est une quête vaine. Hein, vous le sentez en vous, il faut lâcher prise. D'accord? Pour d'autres, dans un projet où il y a des retards, on vous dit, eh bien, ouvrez les yeux, vous voyez bien que ça ne mène à rien, que c'est stérile, que c'est faux. C'est comme ça que vous allez retrouver la paix. C'est comme ça que vous allez retrouver l'apaisement, la quiétude. C'est quand vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations ou des situations qui ne fonctionnent plus avec vous, qui sont stériles et qui vous empêchent d'évoluer, hein, de grandir. On parle d'une période d'introspection comme ça. Vous allez être tourné vers vous-même. Vous allez avoir besoin de compter sur vous-même, d'être tourné sur vous-même comme ça. Pour d'autres, eh bien, vous êtes à la retraite ou vous avez envie d'être à la retraite et vous faites tout pour avancer, hein, dans vos projets professionnels et pour y arriver le plus vite possible, bien sûr. Hein. Et pour d'autres encore, il y a du retard dans votre retraite. Ça y est, hein. C'est compliqué. Pour d'autres, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin comme ça de vous isoler par rapport à un travail qui est stérile, qui ne vous passionne pas, où il y a beaucoup de retard, beaucoup de désillusions comme ça. Vous voulez juste être soulagé, revenir à une paix et une harmonie, et ça passe par votre bien-être. On parle d'ennemis, hein, vous voyez. Pour certaines d'entre vous, attention, restez discret parce que vous pouvez avoir affaire à de mauvais conseillers, à de personnes jalouses qui peuvent vous manipuler, vous voler et vous trahir. Donc attention, on vous met en garde contre ces gens avec qui tout projet sera stérile. Suivez votre cœur, suivez votre passion. Gardez cette fougue, cette force intérieure pour aller au-delà de ces trahisons, au-delà de cette méchanceté, au-delà de la manipulation. Vous allez prendre conscience de ce qui est juste et bon pour vous, de ce qui est vrai et de ce que vous méritez. Il y a comme des échanges et des discussions sur ce que vous vivez au niveau professionnel qui vont être salvateurs pour vous, qui vont vous ouvrir l'esprit, hein, sur ce qui est bon pour vous ou pas. Sur les gens qui sont bons pour vous ou pas aussi. Hein. On y va pour le domaine financier, les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Ouais, attention à la méchanceté, les ennemis, les addictions. Attention, attention à des lieux qui sont comme ça, chargés à des lieux ou à des situations ou à des liens qui sont chargés comme ça d'énergie de médisance, malsaine, addictive, voyez. Bon, demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il vous faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Voilà. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, demandez de l'aide aux vraies bonnes personnes qui vous aiment. Attention à qui vous demandez l'aide. Attention aux mauvais conseillers, d'accord? Et sinon, priez, priez pour que Dieu vous éclaire sur les bonnes personnes, sur les bonnes situations, les bons contrats. Aliments énergétiquement purs. Oui, il est temps d'avoir une hygiène de vie alimentaire saine. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées, votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Oui, parce qu'en vous alimentant correctement, en évitant l'alcool, enfin en tout cas de trop boire d'alcool, en évitant de manger des aliments reconditionnés, des plats préparés, eh bien, vous montez en vibration et donc vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous voyez? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, vous avez vu, délivrez-vous de votre culpabilité, d'accord? Quand vous laissez votre lumière briller de tous ses feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et pardonnez aux autres et surtout libérez-vous, hein, des liens
qui vous enchaînent à de mauvaises personnes, hein, à de mauvaises situations. Ok, on y va avec le sentimental et le Dan Laura. On m'a demandé de prendre le Dan Laura ce mois-ci pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Authenticité, réalité, intention pure. Il y a une relation, une situation. Il y a une relation, pardon. Il y a une relation que vous vivez là et qui est authentique. Vous sentez qu'elle est authentique. Vous sentez que les sentiments sont réels et que les intentions sont pures. C'est beau, hein? On vous parle d'amour véritable, d'un amour inconditionnel et sincère. Et c'est une relation qui va vous épanouir, qui va vous rendre beau, vous rendre belle et qui va vous faire retrouver cette paix, cette stabilité que vous cherchiez parfois. Pour d'autres, on parle d'arrêter de porter un masque, de faire semblant. On vous demande d'arrêter d'être aussi avec certaines personnes qui portent un masque, qui sont superficielles et qui cachent des choses comme ça, qui ne sont pas réellement authentiques. Attention à certaines dépendances, hein, dépendances affectives, hein, à certaines dépendances liées à de l'alcool, une dépendance sexuelle aussi. Attention à un milieu comme ça qui peut vous faire tout perdre, alors que vous êtes en train de tout gagner, vous voyez. Il y a des disputes, hein. Il va y avoir des disputes avec une personne, des conflits avec une personne justement, hein, qui ne résonne plus avec vous, qui est superficielle, alors que vous ne voulez plus être dans ces jeux de superficialité, de mensonges. Hein. Bon, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance, ces messages des anges. Conversation de cœur à cœur. Il est temps de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de vous ouvrir à lui ou à elle. De vous confier. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est aligné, hein, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous saviez que ce serait elle. Et on vous dit, vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour d'autres, vous êtes en l'attente d'un partenaire. Et on vous dit, c'est tout a sa raison d'être. D'accord? Tout est... Il y a un timing, d'accord? Donc, on vous dit, patience, votre tour arrive. Et ce sera certainement lui, certainement elle. Pour d'autres, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit, oui, si vous attendiez une confirmation, la voici. C'est lui, c'est elle. Ok, on y va pour la conclusion avec By Mathilda. On y va avec l'oracle des 10 secrets qu'on adore. Laisse être le plan divin. Écoutez votre cœur, suivez le mouvement. Vous êtes guidé, hein, il y a des synchronicités, il y a des messages, il y a des présages, il y a des rêves qui vous emmènent sur ce plan divin. Tout est destiné. Croyez en la possibilité de vivre une vie qui vous ressemble. Croyez en vos rêves. Croyez que tout est possible. Va de l'avant, vous disent les guides. Mets-toi au défi. Va de l'avant, allez de l'avant, toujours de l'avant. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et oui, parfois il faut regarder les choses de manière irrationnelle. Parfois c'est dans l'énergétique qu'il faut soigner pour avancer. D'accord? Aiguisez votre intuition, aiguisez vos ressentis. D'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Bah oui. Et oui, oui, oui. Et l'unité, revenez à vous. Sortez de la dualité, sortez des conflits. Raisonnez positif et la vie vous attirera des énergies positives et des relations positives. Allez, on y va pour le dernier oracle. Et on prendra un cristal pour vous. On y va avec les créateurs sacrés de Chris Anne. Intégrez votre sagesse, l'attrait de tout ce qui brille. Oui, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Acceptez et recevez. Oui, soyez dans la justesse. Ne donnez pas plus que vous ne recevez.
Ne déséquilibrez pas les énergies, d'accord? Promouvez courageusement votre magie. Brillez, les amis. Brillez. Brillez dans les réseaux sociaux. Brillez au sein de votre famille. Brillez au sein de vos amis. Soyez ce que vous êtes pleinement. Vous inspirez les gens. Hein? Vous aidez les gens. Choisissez la personne que vous devenez. Ben oui, et là, c'est en train de se faire. Hein? J'ai bien l'impression que vous allez faire encore du ménage. L'orée de l'évolution à l'ère chaotique, c'est ça. Vous allez déconstruire certaines choses pour reconstruire autrement. Vous allez déconstruire certaines relations pour reconstruire autrement. Là, vous avez envie d'être plus stable, plus sage, plus calme, plus en paix avec vous-même, avec vos relations. Et vous choisissez votre bonheur, vous choisissez la personne que vous voulez être. Super, on y va pour le cristal. Quel est le cristal pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. L'azurite. Compréhension, purification, conscience supérieure, c'est ça. Vous êtes en pleine ouverture d'esprit là. Hein? Et de cœur, et de cœur. Vous passez à un autre niveau. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin, d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner des schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. Magnifique. N'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en boucle d'oreille, en bague. Hein, ça vous aidera au quotidien à mieux comprendre les choses, mieux discerner les choses et à encore plus ouvrir votre manière de voir les choses, de penser, hein. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne. Merci pour vos j'aime, vos likes, vos merci, vos commentaires, ça élève, ça rend encore plus visible cette chaîne. On est bientôt 6500, tout ça c'est grâce à vous, merci pour votre fidélité, votre soutien. Et puis allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance astro coaching, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir aussi la guidance du mois d'août si ce n'avait pas déjà fait. Hein. Puis rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com pour justement prendre rendez-vous avec moi, hein, pour une guidance personnelle, hein, si ça vous inspire, pour des libérations karmiques, des libérations liées à l'argent, des libérations aussi liées à certaines relations toxiques, hein, et des lectures d'âme, des soins énergétiques. Je serais ravie de vous aider, les amis. Et puis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous allez vraiment vers un grand changement, une grande transformation, les Capricornes, mais c'est pour le meilleur, d'accord? C'est pour le meilleur. Aujourd'hui, vous êtes votre priorité, vous protégez votre couple, vous protégez vos énergies, vos rêves, et il est temps comme ça de couper certains liens. Je vous souhaite le meilleur, très beau mois de septembre, bye bye.